Oui, bonjour, Monsieur Trudel, s'il vous plaît. Lui-même. Oui, bonjour, Monsieur Trudel. Mon nom est Madame Marchand. Oui. Je voulais savoir si je suis dans la bonne personne. Si vous êtes le Monsieur Trudel, en fait, propriétaire d'une propriété au 360 rue de la plage à Coin-du-Banc. Oui, madame. Ah, bon, ben, tabarouette. Dites-moi pas, je vais avoir des bonnes nouvelles ce matin, mais cet après-midi. J'avais quelques petites questions, si vous voulez, si vous avez le temps, en fait. Oui. OK. J'ai été me promener un petit peu dans le coin de Coin-du-Banc avec mon conjoint qui a déjà habité votre maison. OK. Et puis, on a vu que ça faisait probablement un petit bout qu'elle n'était pas habitée. Oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, OK. Et puis, est-ce que vous étiez intéressé à vendre ou vous étiez pour la rénover ou quoi que ce soit, dans le fond, le terrain? Oui, mais moi, regardez, c'est parce que nous, on avait prévu de déménager là-bas parce qu'on vient de l'autre coin du vent. Ah, OK, OK. Puis on a décidé, on a tout son plan changé. OK. C'est que nous, on a mis ça à vendre. Ah oui, vous avez mis ça à vendre? Oui, oui. Ah, ben ça va, c'est dernier. L'année passée. OK. Et puis, est-ce que vous avez des acheteurs potentiels? À date, il n'y a personne. Okay. Il y en a qui m'ont téléphoné, ils m'ont fait des... Personne n'a fait d'offres, mais il y a beaucoup de monde qui m'ont... Ah, OK. Ils m'ont téléphoné à date. Ah, ben Caroline, nous, on est allés au début de l'été, et puis on n'a pas vu de pancarte à quelque part pour qu'ils nous disaient que c'était à vendre, parce que sinon, on vous aurait téléphoné plus vite que ça. Ben non, la pancarte était à vendre. Ah, ben Caroline. La pancarte, juste aux deux extrémités du terrain. Ben, tabarouette. En tout cas, ben, coudonc, je t'ai pas dit cette journée-là. Et puis, est-ce que c'est sur un site quelconque que vous faites affaire ou bien... Non, c'est moi-même qui vends, madame, parce que la maison a tout à l'affaire, fait que... OK. Et puis, c'est pas trop indifférent. Pour ça, là. OK. Et combien vous demandez pour ça? Moi, madame, là, j'ai la terre à bois à vendre avec ça. Pardon? J'ai une terre à bois. OK. La terre de la maison. OK. Ça verse 132, puis c'est à peu près 1 000 par 200 pieds de large. OK. Fait que moi, j'ai toute la terre à vendre, pas juste la terre à pas juste la maison. OK. Puis moi, je demande 200 000 pour tout. 200 000 pour tout? Oui. OK. Et puis, ça fait combien de temps qu'elle est à vendre, vous dites? Comment vous dites? Vous l'avez mis à vendre, ça fait un an? Ça fait un an. Un an, OK. OK. Puis ça a combien exactement les mesures? Ça a 1 000 de profondeur par 200 pieds de large, la terre au complet. Sur le bord de l'eau, c'est à peu près 400 par 200. Okay. 400 par 200. Mm-hmm, mm-hmm. OK. Et ça, c'est zoné commercial. Ah oui? Oui. Parce qu'avant, il y avait des chalets là-dessus. Ah, OK. Les deux petits ouais, chalets. Il y avait plus que ça. C'est parce que ça a été très, très mal entretenu, ça. OK. Moi, quand j'ai acheté ça, j'ai tout bouffé de faire l'intérieur de la maison parce que c'était plus habitable. Ah. C'est trop magané en dedans. Mais bon, on avait entendu parler d'un monsieur qui cherchait un trésor dans cette maison-là. Est-ce que c'est vous, ça, ce monsieur-là? Non. Il dit, Colin, pauvre monsieur, il l'a pas trouvé parce que Colin, il a tout démoli sa maison, pauvre monsieur. Non, c'est parce que si vous aurez fait la même chose que moi. Ah, c'est vous, d'abord. Oui, c'est tellement magané là, que... OK. Moi, j'ai connu la maison... Quand j'étais bien jeune, là, j'allais là chez monsieur. Ça appartenait à M. Hervé Vibert. Hervé Vibert, oui. Ah, ça, ce monsieur-là, il a d'autres propriétés, je pense, hein? Non, il est mort, lui. Ah, OK, mais il y en a. Aujourd'hui, il doit avoir 100... Aujourd'hui, il doit avoir à peu près 115 ans. OK, bon, ouf, ouais. Parce que La maison est pas loin d'être centenaire. Mais mon conjoint, lui, là, il a habité là pas longtemps, 2 mois à peu près, en 90. OK. Avec M. Drouin. C'est un M. Drouin qui avait... Oui. OK. Avez-vous repris de ce monsieur-là? Non, moi j'ai repris de M. Champagne. M. Champagne, OK. Ouais. OK, c'est après. OK. Les autres, ils l'ont vraiment pas bien entretenu, la maison, là. Ils l'ont... C'est vraiment magané, là. Quand j'ai ramassé ça, là, c'était... C'était tout à refaire. Puis là, vous vouliez vous en retourner par là-bas, puis finalement, Ah, ben, on a eu des problèmes de santé, madame. Aïe. Parce que là, maintenant, nous, on est dans le système de santé, puis... Non, mais c'est pas évident, c'est sûr. C'est sûr qu'on ne veut plus s'éloigner d'ici, là. C'est notre santé, là, avant tout, hein. Effectivement, vous avez raison. Puis du fait que la maison aussi, c'est à refaire de...
de beaucoup, en fait, hein? Fait qu'on ouais, mais moi, si j'avais pas eu, puis j'ai mon fils aussi qui reste ici, qui demeure dans la région, j'ai juste un fils. OK. Ça, c'est la deuxième raison. Eh oui, c'est sûr, on veut pas s'éloigner. Non, nous, c'était dans nos plans. On aurait vendu la maison ici, puis on aurait tout réparé la maison. OK. Ça, c'était nos plans, mais parce qu'on vient de la place. OK. Donc, on voulait retourner là-bas pour finir nos jours là-bas, mais la vie a fait autrement. Eh oui, la vie, des fois, elle nous amène à d'autres endroits, mais des fois, c'est peut-être pas pour le mauvais, c'est peut-être pour le mieux. On a des fois, on a des beaux projets dans la vie, mais la vie nous arrête de les faire. Fait que on fait d'autres choses. Oh ben oui, mais c'est comme je vous dis, on a des plus beaux projets ou autres, d'autres projets, mais des aussi beaux. Exactement. Et voilà. OK, fait que moi, je vais regarder ça, puis écoutez, je vais parler avec mon conjoint de tout ça, et puis je peux vous rappeler. Oui, madame. J'ai besoin d'autres informations. En fait, c'est un peu de vous trouver ce matin, là, cet après-midi, en fait, parce que ça fait quelques monsieur Trudel que j'appelle, puis c'est pas les bons. Ah, OK. Fait que donc, j'en parle avec mon conjoint, puis ça va sûrement peut-être être lui qui va vous rappeler ou ça va être moi. Ben, s'il y a quelque chose, gênez-vous pas, puis si vous voulez me faire un offre, ben, gênez-vous pas non plus, parce qu'il y a personne qui m'en fait. Bon, ben, parfait. Il y a personne qui m'a fait d'offre à date, puis moi, le premier arrivé, premier servi. Excellent. Ben, je vous remercie beaucoup, puis vous allez entendre parler de nous. Ben, c'est bien, madame. OK, bye-bye. Bye-bye.